Oui, c'est des TQ5, c'est Québec, du Canada, du Québec. Il y a une pongaise, une toussna, le gmezrouille, une telsa, l'humanité, et jet de l'affaire. Et nous sommes le pongaise qui est de qui nous sommes à Sarabez, il y a quelqu'un qui est Simonis, qui nous a fait Francis autodidacte, working André Marie Ampère, et nous sommes à Ampère. Il y a déjà, c'est une transparence, c'est une unité de mesure de l'électricité ampère. Marie-André Ampère, de mathématiques, de physique, de chimie, ou de philosophe de français, et l'ouled de Xbosn, Alfous Vamia, ou École polytechnique d'Arles, le Collège de France. La tasse d'un et du souverain n'a exclu tout ce n'est les mathématiques et la physique. D'un seul fondateur, Ponchtekien, un cours et la tasse inédite, les découvertes qui sont françaises, Gwenimun Kar, l'électromagnétisme. Avec un dernier, il fait la tasse isvdien, un tesra, dans des fondements théoriques, Gwenimun Kar, l'électronique de la matière. ماشي ديوث تغاو تيخدم دا الشكي كود ناوي اساكي الكسكسي اكدي و داني بوغاز انتوسنا تقبيلي تيدير عند الكيباك نروح ناوي الهضور الهضره في امبير اشكو زرين 200 سكوسنايا سكوسمي امبير اي دي سنولفا اينكا اي منقاطورا الالكترومانيتيزم أنوي أمسلي يعني أمسلي أنوي دو ونفجي كنا وداني أنفجي كنا ذاك داني يتوسن ذاك ذي الكيباك ذي توسنا التكنولوجية أنوي داني في اللاس شي خدم أم كي الحونة ذي ذي الكيباك أرثقارا وكي ذ محمد بن حدادي إمون قار داني راشيد أزوف لك راشيد أزول رشيد أزول اللي بقدي يسمع سمراني تيكيو سانك رشيد نار محمد بن حدادي يسعى البي اش دي بواني من قار جيني الكتريك بغرفاز بوليتكنيك من كييف دي لوكران ديك سكواس 86 هكا ثوراي صغاراي وذمنا ذي الالكترونيك اندستريال دي سي جيب دو بيو موريال هكا دارنيغ يلا ذمنا ذي كيكير يتابعنا هو ماس ناذير le développement durable, donc un centre stratégique de recherche en développement durable. Il a dans les dames chez Ousnan, un conseiller scientifique, tout ça, et il a un conseiller qui connaît à la technologie du Québec, le FRQNT. Et c'est des milliers, et je n'ai rien dit sur fort. Les technologues, les techniciens, les souffrants, où ils ne savent pas ce qui est le sens des magasins, des articles et œuvres scientifiques, et ils ont besoin de l'énergie, et ils ont besoin de l'efficacité énergétique. Il y aura un tas qui est le sens des les articles scientifiques dans des journaux scientifiques. Attends, il sera avec Ndani Tousna, ou il sera avec Amadeli Collège Zdawiyin, ou quoi t'as senti mourir, mais c'est Hacha de qui Canada. Et hier, Daran, il soude cette attaque qui est ici avec Ndani Mounka, les colloques, Daran, il a encadré des mémoires de thèse. Daran, il sera, attends, un zin, le chèque des points de l'Oulha, ou attends, Fulès, le chèque des vrais d'Arva, ذاك كان يسعى طاس يغزن اني من قاع ذا غا وين سي
اكس اكس شي عطا سكي ديال كندا ديال كيبيك اين من قار لورد ناسيونال دو كيبيك كيتولي مثول الفكير اكذ نغلف ام زوامو اقبو الكيبيك سي كان 2016 كان داني ساعه اين من قار لورد دو ليكسيلونس اون ايدوكاسيون دو كيبيك 2018 وداني ساعه اين من قار انز اكفاس دونيس باردو داك الشيء كيكون نوالي اكذ رشيد محمد بن حدادي تيك تمزت مزوغوت سينير ازول فلاك تيك نظن رشيد ازول هفريد ويسين ناسك سي كان مزوغو اكي تي دني رشيد ذا اني شو دن امبير ذا انجاز يسو همن ثوغيض يي ونك ان بو مغرب سوزاليس سوزاليس كي تي تولي مكا ديك ثو هنا ياكي اما غير ذاكي وين متسماض اكان يتوليم امبير سو كوندكتور دو سافوار او يوفان Arachid, Ardenir, The Shiki Puin, Ambari, André, Ampère. Au coup de qui déjà ouvert The Shiki Puin, Ampère, adrement une présentation, puis on va échanger là-dessus, mais sinon, en une phrase, je travaille dans le domaine de l'électrodynamique, et Ampère, c'est le premier électrodynamicien, c'est le monsieur qui a donné les bases de l'électrodynamique, donc... Mon intérêt est évident, il est scientifique. On va nous lire la présentation qui est née, Rachid. Tout de suite. Donc je vais essayer de vous présenter brièvement les contributions d'André Ampère, ce conducteur du savoir. Souvent, quand on parle d'électricité, la première référence qui vient à l'esprit, c'est Volta. Pourquoi Volta? Parce que c'est lui qui a conçu la toute première pile électrique, donc la toute première source d'électricité. Et c'est cette source qui a pu donner un essor au développement de la recherche dans les laboratoires. Ampère, c'est l'électromagnétisme. Mais le précurseur de l'électromagnétisme a été Oersted. Oersted, en 1820, il a été le premier à découvrir la relation entre l'électricité et le magnétisme. Et c'est le premier à parler d'interaction entre les forces électriques et les forces magnétiques. Sauf que Oersted, chimiste qu'il était, il n'a pas été en mesure de donner une assise mathématique au phénomène physique qu'il a été le premier à mettre en évidence. Ampère, ayant assisté à la démonstration d'Oersted, en une dizaine de jours, s'est cloîtré pour pouvoir nous fournir justement la base mathématique aux travaux d'Oersted. Ampère, c'est lui qui a donné la relation qui existe entre la force du courant et celle du champ magnétique correspondant. C'est également lui qui a illustré les forces que deux conducteurs parallèles parcourus par des courants électriques exercent l'un sur l'autre. Les travaux d'Ampère ont été utilisés par Faraday partiellement, qui a été le premier à découvrir le phénomène de l'induction électromagnétique. C'est le phénomène à l'origine du fonctionnement de tout ce qui est machine électrique et transformateur. Autre père de l'électromagnétisme, Faraday. Un autre père de l'électromagnétisme, Maxwell. Maxwell, lui, il a formulé mathématiquement les travaux de Faraday, d'Oersted et d'Ampère sous forme de quatre équations désormais connues sous le nom de fameuses équations de Maxwell. Ce sont ces équations qui décrivent le comportement et les relations du champ électromagnétique ainsi que son interaction avec la matière. Quand on parle d'électricité, deux noms viennent toujours à l'esprit, Thomas Edison et Nikola Tesla. Thomas Edison, lui, il est le précurseur de la recherche industrielle moderne. Donc, c'est l'auteur de plus de 1000 brevets. Entre autres brevets, la toute première ampoule électrique à base de filaments. Mais Thomas Edison était un fervent défenseur du courant continu. C'est pour cela qu'il s'est séparé de Nikola Tesla, qu'il a fait venir en Amérique lui-même. Entre-temps, Tesla... Lui, c'est un scientifique exceptionnel qui, grâce à ses travaux et surtout sa vision de long terme, il a pu permettre au courant alternatif de supplanter le courant continu. Donc, ce qu'on appelle communément la bataille de l'électricité
qui est la bataille de l'alternative versus le continu. En termes scientifiques, ça a été la bataille entre Nikola Tesla et Thomas Edison. Et c'est intéressant de remarquer que Tesla a préconisé l'alternative du temps où il n'y avait que le continu qui était développé encore, on va dire, à l'échelle industrielle. Donc, quand Nikola Tesla s'est séparé de Thomas Edison, il s'est rapproché de Westinghouse, donc, qui lui a financé ses recherches. On revient à Ampère, dont on a célébré de 2020 l'année passée le bicentenaire des lois d'électrodynamique. Donc, c'est lui, le père fondateur de toute une nouvelle branche de la physique qu'on appelle l'électrodynamique. C'est également lui qui a émis l'hypothèse de l'existence de courants à l'échelle microscopique de la matière, sachant que à ces années-là, l'électron n'était pas encore découvert. C'est également lui qui a découvert et qui est l'inventeur de nombreux termes comme tension et courant, de nombreux appareils comme le solénoïde. Le surnom qu'on lui donne, et c'est Maxwell qui lui a donné, c'est le Newton de l'électricité. Et Tesla, pardon. Et Ampère n'a pas seulement été un célèbre physicien, il a également été un mathématicien de premier ordre, un chimiste aux travaux reconnus et également un philosophe. Ce que vous voyez ici, c'est une image qui date de, on va dire, de 90 ans. C'est le musée consacré à André Ampère à Paul-Émieux. Paul-Émieux, c'est une trentaine de kilomètres de Lyon. J'ai profité d'une conférence que j'ai donnée en France en novembre 2019 pour aller visiter le musée d'Ampère. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le même endroit, ben, on va dire 90 années plus tard. C'est sûr que c'était pour moi également l'occasion d'enrichir ma bibliothèque de photos avec des instruments, des appareils qui datent de plusieurs décennies en arrière. Le bicentenaire des lois d'Ampère, ça fait plusieurs années que je pense le célébrer. Donc, j'ai été l'initiateur d'un certain nombre d'initiatives, entre autres. J'ai écrit un article qui serait intéressant à lire pour tous ceux qui aiment la science, un article très vulgarisé qui parle de la vie et des réalisations d'André Ampère. Donc, cet article est accessible. Tout ce que vous avez à faire, c'est taper le nom de l'article ou bien taper mon nom, taper Ampère à côté. Vous allez avoir l'article qui va sortir. J'ai également profité du Covid pour organiser une conférence sur Facebook. Alors, sur Facebook, je gère un groupe qui s'appelle Science pour tous. Il y a plusieurs personnes à l'intérieur. N'importe qui d'intéressé peut y adhérer. L'adhésion est vraiment libre. Donc, je disais que j'ai profité du Covid, du temps. Le supplémentaire que le COVID nous a donné, pour donner une conférence sur Facebook qui parle de 200 ans d'histoire d'électricité, qui va d'Ampère, donc 1820, jusqu'à la situation actuelle où on a une hégémonie de la Chine sur le secteur électrique. En 2020, j'avais également prévu d'organiser un colloque dans le cadre du congrès de l'ACFAS. Et ce colloque 2020 a été reporté en 2021. Donc, j'organise un colloque qui s'appelle Ampère 200e, l'électrodynamique et la science au passé, présent et futur. Alors, l'objectif de ce colloque, c'est d'abord de parler de la science au passé très brièvement pour s'arrêter davantage sur la science au présent et au futur. Donc, j'ai concocté un programme sur deux demi-journées. En matinée, nous allons avoir quatre conférenciers qui vont nous parler de réalisations dans le domaine des sciences en lien avec l'efficacité énergétique, le réseau intelligent, la supraconductivité et les batteries pour automobiles. Et l'après-midi, j'ai quatre conférencières qui vont nous présenter les réalisations dans le domaine de la promotion, le financement
et la vulgarisation de la science. C'est sûr qu'il y a un lien intime entre les deux parties. C'est pour cela qu'il y a également un débat qui est prévu à partir de 15 heures pour qu'on puisse davantage communiquer entre la science et la société. Donc voilà, merci. تنمير تنمير رشيد تكيد تحوش هذا تص تنقضيني دو دون ذاك ادي لهم سلاي لا ست دوك سكاسيا كاي اللي نغزيف نفضوا هذا الدحريشن اسمح كان سلاق اليوث يوث رشيد تو دون ذاك كي تص جسمون مسنون ما انا واحد سي فولتا الى ذا طلياني على ما نيكولا تيسلا الى سي لوكرين انتورا مي هويا مي هويا ون وما زيك لا تبع لوتريش ماكسويل ليكوس انا ها اورستاد الى سي الدنمارك ماكسويل ليكوس كي تي دنير اتاس جسم ون يوث نسوتا يكو ود اش نيكو لا مي بوك سنيد بلي اورستاد ذنتسانغ Il est dans une compétition, je t'ai dit, en père, dans une seule date, 1820, il est avec Orsted, en père. Donc, il a gagné, dans ces mêmes jours, nous avons été cité ici, on a l'électromagnétisme. Donc, Orsted, on a gagné. En père. Alors, il faut savoir que l'interaction entre l'électricité et le magnétisme, celui qui. Le premier l'a établi, c'est bel et bien Hans Oersted. Voilà. Sauf qu'il n'a pas fourni une explication physique, une démonstration mathématique qui accompagne cette grande découverte. Alors, Ampère, il a assisté à une des démonstrations que Oersted avait faites à l'Académie, on va dire l'Académie française de l'époque. Il s'est enfermé, certains disent pendant 10 jours, d'autres disent pendant une semaine, d'autres disent pendant 2 semaines, mais toujours est-il qu'on va dire 2 semaines. En 2 semaines, il s'est enfermé chez lui pour nous faire sortir justement l'une des lois les plus importantes qui établit, il a donné la démonstration mathématique de ce lien, de l'interaction entre les forces électriques et les forces magnétiques. Donc c'est sûr que le père fondateur de l'électromagnétisme, c'est Ampère, parce que Ampère a fourni la démonstration qui manquait à Oersted. Non seulement Rachid, il fait de la démonstration, mais il fait de les fondements théoriques pour ce qui est. Forcément. Ce qui fait c'est Marie et Maxwell et Nayas, c'est le Newton de l'électricité, je connais Newton, mais il fait les fondements de la mécanique, il n'y a qu'à. Donc, c'est donc il fait ce qui est Ampère et Khemed Gumzeroui, des sommes. Il a fait tout le temps, je me crois, et me avancer à ce qui est les sciences. En grosso modo, c'est tout le domaine qui est électricité, électromagnétisme, c'est grâce à Ampère. Tout les qualités de Smith, mais quand il y a des défauts dans Rachid, Ampère, des choses qui sont différentes. Peut-être qu'avant d'aller dans le défaut d'Ampère, parce qu'Ampère, il est connu comme physicien, mais il a également une grande contribution dans le domaine de la chimie, dans le domaine des mathématiques, dans le domaine de la philosophie. Donc, si on prend par exemple le domaine de la chimie, c'est l'un des premiers, pour ne pas dire le premier, à être en mesure de distinguer les atomes des molécules. Il y a même une loi très célèbre, très connue, la loi d'Avogadro-Ampère, qui dit que tous les gaz à volume égal et à pression égale, ils renferment le même nombre de molécules. C'est une loi très importante dans le domaine de la chimie. Dans le domaine des mathématiques, à l'âge de 13 ans, il a déposé à l'Académie un mémoire où il a recours au calcul différentiel. Donc, les intégrales. Pour Ampère, c'était déjà à l'âge de 13-14 ans. Il a une énorme contribution également dans la théorie des courbes, le calcul des variations. Dans le domaine de la philosophie, là, c'est ces dernières années, c'est au niveau au crépuscule de sa vie où il a élaboré un essai, le premier essai, sur la classification de toutes les connaissances humaines. Donc, aujourd'hui, dans toutes les universités, on parle d'interdisciplinarité, mais Ampère était déjà interdisciplinaire 200 ans en arrière.
Alors, si tu veux maintenant que je revienne à ta question par rapport aux défauts d'un père, ben les défauts d'un père, il y en a beaucoup. D'abord, tu l'as dit tout à l'heure, Rachid, un père n'a jamais été à l'école. Donc, c'est un handicap à cause de son enfance solitaire. De plus, c'est quelqu'un qui était myope, distrait et timide. On dit même qu'il était incapable de donner un cours sans provoquer des rires narquois, généralement. D'ailleurs, ses étudiants, ils ont constitué tout un recueil d'anecdotes où on dit que en père, il utilise le torchon du tableau comme mouchoir. On dit qu'il dépose de la craie dans son café au lieu de mettre du sucre. Et c'est pas juste ses étudiants, ses collègues aussi. Horsted, par exemple, c'était pas son concurrent. Je pense qu'ils étaient davantage amis que concurrents avec Horsted. Il a dit que, au sujet d'Ampère, il est aussi malhabile expérimentateur que débatteur. Et il avait raison. Ça, c'était reconnu que c'était un mauvais débatteur et qu'il n'avait pas de dextérité manuelle. Laplace, lui, il a dit que quand un appareil ne bouge pas, il le pousse. Mais le témoignage le plus éloquent, c'est celui de son ami. Il avait un grand ami qui s'appelait Arago. Arago a dit, la vocation d'un père est de ne pas être un professeur parce qu'il manquait d'outils pédagogiques. Mais ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que toutes ces anecdotes-là qui peuvent paraître dévaloriser l'homme, en réalité, elles l'ont ennobli. Elles l'ont davantage servi que desservi, car il était respecté. Et pas juste respecté, les scientifiques sont respectés. Il était aimé malgré tout cela. C'est sûrement sa qualité de prolifique scientifique qui a créé la légende d'Ampère. Et le témoignage le plus éloquent à ce propos, tu l'as dit tout à l'heure, Rachid, c'est celui de Maxwell. Maxwell est également un des pères fondateurs de l'électromagnétisme. Il a surnommé Ampère le Newton de l'électricité. Et dans le domaine des sciences, l'hommage le plus touchant, le plus noble, c'est quand il vient des pairs, des gens qui travaillent dans le même domaine que toi, qui te reconnaissent en tant que tel. Ça, c'est un témoignage de premier ordre. Effectivement, ça, Rachid, j'ai donné un cours sur les lois de Maxwell. Déjà, Maxwell, c'est Manis, qui est sous un les fameuses quatre lois d'électromagnétisme, un petit tissu de avec des formulations mathématiques à base d'intégrales et de dérivations qui sont très très compliquées. Ou un génie. Alors, Maxwell, et ou déjà le génie, un ampère. Donc, laisse le dos, t'as qu'à devenir. Absolument. Voilà. Donc, et dernier, un théâtre. L'humanité, l'unité de mesure d'électricité, 60, c'est ampère, le courant électrique, ampère. Donc, il y a sans commentaire. Avec Tesla, c'est les deux seuls scientifiques qui ont des unités de mesure électrique qui portent leur nom. Exactement. Dans les Tesla, c'est un autre phénomène, nous râlerons. Il a ouvert le lesson de Thomas Edison, qui était sa mode. Mais c'est une émission parce que c'est un génie. D'ailleurs, il y a une voiture Tesla, ce n'est pas par hasard, c'est juste pour rendre à César ce qui appartient à César. Donc, au qui dit une Tesla, c'est une façon de reconnaître un peu l'énorme travail qu'a fait Nikola Tesla. C'est un phénomène. Nous allons plus tard dans une autre émission. Nikola Tesla. Ampère. Ampère, c'est la présentation qui est dédié, c'est une journée dédiée à André Ampère. Oui, il faut notre slide laisse ouvert parce que vraiment, c'est un peu gemelte, les 200 ans, dans la mythique de Gosnayes, Gosmir, et dans les lois d'André Ampère. Excuse-moi, quelles sont les motivations qui génèrent le colloque qui, les ACFAS?
Il y en a plusieurs. Hein. Tout d'abord, je viens de le dire, il travaille dans le domaine de l'électrodynamique, donc c'est un domaine qui a un intérêt particulier pour moi. C'est l'occasion de faire davantage connaître ce domaine-là. C'est l'occasion également de faire connaître les travaux en lien avec l'électrodynamique. Pour moi, pour ce colloque-là, c'est sûr qu'on va parler d'André Ampère, mais il y a juste une présentation sur les neuf qui vont être consacrées à André Ampère, parce qu'on va parler de science au passé, mais on va, c'est sûr, davantage parler de science au présent et dans le futur. Donc, dans ce colloque-là, on va commencer par la vie d'Ampère comme conducteur pour pouvoir parler d'un certain nombre de créneaux, de domaines en lien direct ou indirect avec l'électrodynamique et qui présente un intérêt scientifique pour lequel il y a un engouement ces dernières années ou pour lesquels il y a un intérêt particulier, par exemple, du point de vue économique pour le Québec. Donc, pour résumer, Ampère est le fil conducteur de ce colloque-là, mais ce n'est pas un colloque consacré à Ampère. Moi-même, je ne suis pas un historien dans le domaine des sciences. Moi, je suis un scientifique. Mais je ne suis pas historien des sciences. Il y a un historien des sciences qui va nous présenter la vie d'Ampère, mais ça va être juste notre catalyseur, si tu veux, notre conducteur, pour qu'on puisse davantage parler du présent et du futur. تنمية رشيد فيك لي كي جميلت اي اندري امبير سميتين زغوسن زغوت مي دي سوكو اي سون دافين سورا انو غالا لما دين رسمت النظام النادي اسنان ديال كيباك لا ريشيرش سيونتيفيك ديال كيباك ويوفن ثموث ني قبالي ناس كاها تتغلم الكيباك ديال كندا تسعو تود سيويني الناس دي زانستيتيسيون الناس غافازني الناس لي زونيفرسيتي ناس يسداويني ناس تنغلف نونافي ناس ساوي فان هاد نسفايدي سي تيرميث نان ليكسبيريونس من كيباك اشكو الكيباك كيف كان زاد طاس طاس لا ريشيرش سيانتيفيك تشيني راشد ب سوسنا ذاك سكاد طاس كي لي زونغانيزم دو ريشيرش ميم دو سيفونسيون دو ريشيرش كام اف كيو ار ان تي ان الكيباك سنضني حنا كيتلحوا لا ريشيرش كي ديال الكيباك او يفن هاد ان توبو sur l'organisation de la recherche scientifique au Québec et nous dire c'est quoi ta contribution dedans. La recherche ici au Québec, elle a été restructurée fondamentalement une dizaine d'années en arrière, en 2011. Aujourd'hui au Québec, nous avons trois fonds de recherche, trois fonds distincts. Donc la santé, société et culture et nature et technologie. Chaque fonds, il est totalement indépendant. Chaque fonds, il a son propre conseil d'administration, il a ses propres conseillers scientifiques, il a son propre directeur ou directrice scientifique. En fait, nous avons trois directrices scientifiques pour les trois fonds. C'est quand même quelque chose qui mérite d'être mis de l'avant, sachant qu'au Québec, nous n'avons pas encore beaucoup de femmes au niveau des directions de recherche. Alors, ces trois fonds de recherche sont chapeautés par un scientifique qu'on appelle un scientifique en chef du Québec. Alors, il faut savoir que le scientifique en chef, il préside les trois conseils d'administration. Il assure la coordination. Et contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas lui le chef de la recherche, parce que la recherche est très décentralisée. Il est là davantage pour assurer la coordination. Il est là également pour administrer les ressources humaines, pour les rationaliser, et les ressources matérielles aussi. Et c'est également lui le conseiller donc, du ministre de l'Innovation et de l'Économie. Je disais que chaque fonds de recherche, il a ses propres conseillers scientifiques. Alors, c'est quoi le rôle du conseiller scientifique? Ben, ils sont là, sont responsables de l'évaluation et du bon déroulement des travaux, donc de l'ensemble des subventions de recherche. Donc, le Fonds de recherche nature et technologie, il a 7 conseillers scientifiques. Je suis l'un de ces 7 conseillers scientifiques, donc du Fonds nature et technologie. Donc, voilà un topo un peu du mode d'organisation, mais encore une fois, l'organisation telle que présentée, elle est relativement récente et elle est extrêmement décentralisée.
رشيد قبل الجار اسنت لكي هو في نظام تدريم لي فينونس نسيت كاسكو المينيستير ديدي اي كي فينونس سي فون سي فون دو ريشيرش اما كي عندي تشيني المقارن لو فون كيبيكوا دو لا ريشيرش سو لا ناتور اي لي تكنولوجي نسيت كان برينسيبالمون ادريم اسكو لي زانديستريات سكند اسكو سي الغوفرنمون دو كيبيك اي سي سي الغوفرنمون دو كيبيك دو شو المينيستير ارتاغارا سنه عندك الشغل لكي Les fonds de recherche du Québec sont rattachés au ministère de l'économie et de l'innovation. Pas au ministère de l'enseignement supérieur, au ministère de l'économie et de l'innovation. C'est important de savoir. Donc, c'est le ministère qui finance une bonne partie des programmes. Alors, si on prend par exemple le fonds de recherche du Québec Nature et Technologie, il y a plusieurs programmes de subvention. Certains programmes sont intégralement financé par le ministère et d'autres programmes sont des financements conjoints. Et les financements conjoints, c'est les programmes les plus porteurs, les plus nombreux. En règle générale, il y a le secteur public et privé qui donne une partie de ses financements à certains programmes bien définis pour lesquels ils ont un intérêt vis-à-vis des résultats, parce que l'objectif de la recherche, c'est pour qu'elle soit appliquée. Donc, ils financent une partie des programmes de recherche, des projets de recherche, pardon. Rachid, est-ce que c'est vrai qu'il y a un peu de temps, parce que le vrai, c'est qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il se fait de la façon avec laquelle les pays fonctionnent. Nous du Québec, c'est au niveau du palier provincial. Palier fédéral, nous avons fait un cheval, FRQNT, qui est un gars, l'EFCHINIR, il a son équivalent au niveau fédéral, CRSNG. Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Est-ce que, brièvement, nous avons la recherche au niveau fédéral? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie, elle est de juridiction provinciale. Voilà. Mais cela n'empêche pas le fédéral d'avoir des programmes dans un certain nombre de domaines. Alors, comment que ça fonctionne, par exemple, dans le domaine de la recherche? Quand le CRSNG lance un nouveau programme, le CRSNG… Mais oui. C'est le CRSNG, c'est le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada. Oui, le Conseil… en sciences naturelles et en génie du Canada, donc l'abréviation CRSNG, qui est un organisme fédéral, il a également un certain nombre de programmes de subvention. Voilà. Sauf que c'est impératif d'éviter la redondance. Ce qui fait que ces programmes, en règle générale, ils sont différents des programmes du FQRNT. Et quand certains nombres de programmes se chevauchent, le CRSNG prend l'initiative de faire d'abord évaluer ce travail-là par le FQRNT pour qu'il n'y ait pas de double financement. Wow. Parce que certains peuvent… Il y a une collaboration, au moins consultation GRSNI, là où on se quitte. Mais bien sûr, regarde par exemple le CRSNG, un des programmes dans lesquels j'interviens régulièrement, c'est les chaires de recherche du CRSNG. Ce sont les évaluateurs du CRSNG qui attribuent ces chaires de recherche. Mais un travail préalable que nous faisons, nous, comme conseillers scientifiques du Fonds de recherche du Québec et Nature et Technologie, pour que les créneaux dans lesquels des chaires sont attribuées soient des créneaux porteurs pour le Québec. Donc, il y a une préévaluation qui se fait à l'échelle provinciale. Super, c'est bien de savoir tout ça. ثورا محسسنت النظام رشيد ذاك كيني تو امبليكي دون لا فولغاريزاسيون اي لا ديفوزيون دو لا سيونس دايور سيريون بوذلي سي شو دنا لينيرجي لينيرجي كي كاين دو فاسون جينيرال اي رينوفلابل ان بارتيكولير اندا ان غلاف مزوار وقبور الكيباك برنار لوندري تيك دي خمنت زوار فنا لا بريفاس او يفنا تحكو ذا تنشتكي لا فولغاريزاسيون اي لا ديفوزيون de la science dans laquelle tu es impliqué, Kchini? En fait, mon implication est multiforme. Tu viens de faire référence au livre que j'ai écrit en 2008. J'en ai autre qui est sorti l'année passée sur les moteurs et les variateurs électroniques de vitesse.
J'écris des articles de vulgarisation. Exemple, vous venez d'en voir un, celui consacré à Ampère. J'organise des séminaires, des rencontres, des colloques. Donc, colloque le 4 mai 2021 à l'Université Sherbrooke à l'occasion du congrès de l'ACFAS. Je suis souvent invité au Québec et à l'étranger aussi pour animer des conférences en lien avec l'énergie et l'efficacité énergétique, aussi bien pour les professeurs que pour les étudiants. La dernière en date, c'est l'Université d'Artois en novembre de 2019 à l'occasion de leur journée sur l'énergie. Je participe également à la réflexion sur la recherche dans un certain nombre d'organisations qui font la promotion de la recherche. Je suis un des administrateurs de l'ACFAS qui va célébrer à partir de l'année prochaine, 2022, son centenaire, le centenaire de son existence. Je suis d'ailleurs à mon troisième mandat, troisième et dernier mandat. C'est des mandats de 2 ans. Justement, tu viens de parler de l'ACFAS-ACIM, l'Association canadienne française pour l'avancement des sciences. Donc, قريب la dernière, ce que c'est que excuse-moi, dernière, qui est celle nous gagne à l'ACFAS, le centenaire qu'il y En fait, le terme ACFAS est resté tel quel, mais c'est juste l'association francophone pour le savoir, qu'on l'appelle maintenant. Donc, son rôle, sa mission, c'est de promouvoir la recherche, l'innovation et la culture scientifique. Et donc, ils organisent annuellement un congrès avec 3 000 à 5 000 participants. Donc, c'est un congrès multidisciplinaire. Le congrès prochain, c'est donc 2021, mois de mai, c'est l'Université de Sherbrooke. En 2022 et 2023, les prochains congrès, c'est l'Université de Québec et l'Université de Montréal. Et on va commencer la célébration donc du centenaire de l'existence de l'ACFAS. Donc, il y a tout un programme spécial centenaire parce qu'on s'attend pour le centenaire de l'ACFAS à ce que le nombre de participants puisse doubler carrément. On parle de 10 000 participants potentiels. C'est des choses qu'il faut prévoir à l'avance. Il y a un comité qui travaille juste sur cette préparation-là de ces deux échéances-là de 2022-2023. Il y aura probablement plusieurs prix Nobel qui vont intervenir parce qu'un centenaire, c'est une date spéciale. Ça n'arrive qu'aux 100 ans, comme son nom l'indique. Donc, ça va se fêter en grand. تنمية تراشيد ده نوع كنسر سن جيرون سن تفون يسد يوني تكي ده نشود دن غار في الزغن تكي انت دو سنت نعلا كريس سانيتان كا اكحو زن يكو ثلسا لدغاك نويس يموس نوان سي سلمذن دي منذيين دي شرشر حوزا كون لا كريزا كيا ويفان انظر ده شوث نكي كي يلموذن ان زمان نجبذ سي اثمت اثوسنا بثمتسير مزمات الدنيا Francis Rachid, ça concerne cette question, la dernière question, la situation sanitaire actuelle. Est-ce que tu peux nous dire quels enseignements on peut tirer pour la science et la société? وقيل سقسي كان كارو إذا قا في دينير جوا فينس سوثلث نتاع ثم زواروت سقسي كان كارو avec un peu de français. Imzouran, Jenard Dawal Karn, le Mithani Karn, de Chit Brudaya Dargal. Tafet. Tafet. Voilà. Sousna, il est vrai de Tafet. Il a Yéun, il choisit Mdeh. On parle beaucoup de microbiologie, mais le père de la microbiologie, c'est Pasteur. Pasteur, il a dit une wawet. يسعر قيمة ستاس يند بلي لا سيونس وسعر ثمورث سوسنا وسعر ثمورث لا سيونس نا با دو باتري اي اون لو فوا اوجوردي افيك لي فاكسان اي اون فوا اوجوردي كو غراس ا لا سيونس لومانيتي ات ان تران دو غاني لا باتاي كونتر لو كوفيد 5 فاكسان سون ديجا كوميرسياليزي سي اكسترا اوردينير اون بارل ميم دو
d'une dizaine d'autres qui vont l'être cette année ou au début de l'année prochaine. Donc, c'est sûr, c'est incontestable que la science a été à la hauteur des attentes de l'humanité et j'espère qu'elle va l'être également dans le futur. Aka la Rachid, c'est une recommandation. Et il y a des gens qui ont été en train de se faire 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 en train de Maxwell, Osted, en train de se faire en train de se faire en train de se faire غير ذو فير وغلي أي نظام وغلي ذو الدين وغلي ذو الدكتاتور ذنا ذي نظام حاشتو سنة كان إذ دوا حلو إيو كني ما نبغى أنسي وثيم تسي غير ذات نعم بوست لا سوسيتي أو نعم نعم كي غير شيء Absolument, absolument. أكي كني دوسا أتاقرا رشيد دينا كان دينا ذاولي كنتا قرا وكفلت نغفل Thanmers et Tunvgagini Idvkan, ça a été un privilège pour moi de parler à vos auditeurs et j'espère qu'on va se rencontrer dans d'autres circonstances. Madkinoui, nous sommes en train de faire un petit peu de temps à Ben Haddadir, Mohamed, Namun Karachid. لك سنتين نظام عبد المسيد عبد النيوغ انا فين يوغا لا دغا اد نوغا الغوغس فيون سنتين رشيد وكيلا نوغا الغوغس فين يشدن الزمار نا لي زينيرجي لي انرجي كسوا رينوفلابل و لي زينيرجي فوسيل كلاسيك الى حد ارض حكود ابا غوسان عبد النيوغ سندا اتس دو مافال دو بوينت فيو انرجيتيك واش كو لو موند سون با دونك وكيا نوغا الغوغ ولا الشك تنمر رشيد مثل وين في المثير الدقيمة وندينا قيمة للتلويث